petit monstre. Oh, bonjour, Regan. Oh, tu as de très jolis cheveux, hein. Mes cheveux, tu te les carres au cul, pauvre gars. Si je peux me permettre, ça sent un petit peu la jeune fille qui se néglige. Je pense qu'une pointe de ménage s'impose. Je ne sais vraiment plus quoi faire avec elle. Elle me répond tout le temps, elle désobéit tout le temps. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vas-y, c'est des vies dans l'enfer. Oui, enfin, ça, c'est normal à son âge. Alors, le nounours, Regan, on le range à quel endroit? Dans ton cul. Mais non, dans la boîte. Le crucifix, Regan, on le met où? Dans ton cul. Non plus, on le met sur la table de nuit. On le met où? Dans ton cul. Mais non, on le met dans le bain. Oui, dans ton bain, dans ton cul. Non, Regan, on ne range pas toutes ses affaires au même endroit. Hein? Et puis moi, à ce rythme-là, il ne va plus me rester beaucoup de place. J'ai fait une blague. Regan, voilà Eva. Tu seras sa maman. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants, Regan? Oh, on les fait voler. Très bonne idée, Regan. Oh, comme un petit cerf-volant. Et la poupée a un ami. Bravo, chérie. Elles se font des bisous. Sexe. Ça suffit, Regan! J'avais dit des bisous, pas Y a des limites. Elle fait beaucoup de progrès. Notamment, on avance beaucoup au niveau de la politesse. Salope, s'il te plaît. Ah, vous voyez, elle a très bien intégré le s'il te plaît. Merci, pute. Le merci, vous l'avez entendu? Alors, on n'a jamais eu celui-là. Et qu'est-ce qu'on va prendre pour le dessert, Regan? De la compote de pommes. Et la pomme, c'est... vert. Elle sait vomir de toutes les couleurs. Elle a toute une palette de vomi. Oh, si on montrait à maman ce qu'on a fait cet après-midi. Voilà. Et qui a fait ça? C'est Regan. Oh, Regan, tu as complètement oublié de signer ton tableau, chérie. Oh, je comprends que tu aies tout le temps envie de dessiner, mais maman n'est pas une feuille du papier, puis moi non plus, enfin.